team notif, est-ce que la team notif est là? Est-ce que la team notif est là? Carrément, vous êtes là avant les bots. BJ. Pouloulou, wesh, bien ou quoi? Ah, j'ai pas eu le temps de mettre des... comment on appelle ça? Mettre des bonnes prédits là. Comment on va? Ça va et toi mon ref? J'ai déjà un cadavre ici là. Ça va vite hein. Oula. Mais tout ça a changé ou quoi? Ça dit quoi les gars, vous avez fini les cours? Déjà. Félicitations à ta sœur qui va avoir un gosse qui elle vit. Là carrément elle est déjà à l'hôpital wesh. Elle est à l'hôpital, elle a fait des contractions, tout ça. Ça va trop vite. Et merci, maintenant il y a Stream Element. Bon, je te fais la même arme. Les premiers kills, faut se concentrer. C'est bon, y'a personne. Ah! Eh oui, monsieur, eh oui, tu voulais aller où, chacal? Pourquoi t'es sur YouTube en même temps? En fait, YouTube, c'est une première. Eh oui, chacal! C'est pas un live sur YouTube, c'est une première. C'est quand Ginola? Ginola, je sais pas quand est-ce que je ferai. Là, normalement, le bot, il va vous dire un programme. Toutes les 10 minutes, il va vous le dire, vous inquiétez pas. Wesh, mais ça regarde bien ou quoi? Bien ou quoi, les gens, en fait? Est-ce que vous allez bien? Salut, moi, je préféré. Salut, les gars. Donc là, aujourd'hui, ça va live jusqu'à la night, hein. Il a dit toujours aussi chaud, t'es fou. Fiji kill. Je vais mettre une prédit. Attendez, bougez pas. Bonne petite prédit là. A votre avis, est-ce que je fais. Même pas 10 kills, 8 kills. Qui croit en moi pour 8 kills? Sachant que je suis pas un crack. Le trophée. Le trophée, frère, je l'ai reçu. Incroyable. Il a changé le trophée des 5 ans. Il est enfin arrivé. J'ai le trophée. Merci. Merci la team. Merci les gens. Encore un trophée de plus dans la maison. 5 trophées, wesh. Incroyable. Oh, oh la pute. Poulga, poulga, je voulais dire, la poulga. Bon bah la réponse était non les gars, désolé hein. Ceux qui ont misé oui. Putain, quelle vie. Non, là, deuxième partie, là c'était la partie de chauffe. Je voulais dire la pulpe. Tu sais, quand tu bois du jus, tout ça, il y a de la pulpe et tout des fois. Tout ça grâce à la persévérance. Et oui, monsieur. Chez une gaming, c'est compliqué. Hein. En fait, gaming, c'est complètement différent de YouTube. Donc, c'est un nouveau public, en fait. Alors que quand tu commences avec YouTube, tu vas sur TikTok. Comme tout le monde te reconnaît, c'est facile. Mais quand tu vas de... Quand tu perds sur YouTube, TikTok, et que tu vas faire du gaming sur Twitch, frère, ils te connaissent pas sur Twitch, hein. Ils en ont rien à foutre. Ils ont rien à foutre des TikTok, tout ça. Du coup, là, c'est plus lent à avancer. Hein. Tu vas faire quoi pour tes 2 millions? Bah, déjà là, wesh, 100K la chaîne. Hein. 100K la chaîne. Il y a des mecs de 12 piges dans mon quartier, ils fument déjà. Ah ouais. Le monde part dans aucun sens la vérité. Même à l'ancienne, de toute façon, il y avait des gens qui fumaient. Je vais te dire, wesh, à l'ancienne, j'étais en primaire, il y avait des gens
Fumer à 11 ans, 12 ans, c'était n'importe quoi. Ça fait, je pense que ça fait depuis un moment que ça part en couille la génération là. C'est chaud, hein. Ouais, je suis date junior. Ouais, toi, tu dates. Moi, je suis là tous les jours, je fais des lives. Hier, on a fait un live de 6 heures. Moi, j'ai commencé à 15 ans. Ok. Faites gaffe, les gars, faut pas fumer, hein. La santé, c'est important. Là, vous savez, je vous avais dit, j'avais un pote, il avait. Il était dans le coma. Il s'est réveillé du coma et tout. Il était dans le coma pendant un mois et demi, wesh. Et ce qui l'a sauvé, c'était le fait qu'il a arrêté de fumer et qu'il s'est mis au sport. Sans ça, ils ont dit qu'il l'aurait débranché. C'est chaud, hein? Vous imaginez? Sans ça, il avait pas assez de force pour tenir. Et là, il est vivant, là. C'est un truc de ouf. En plus, c'est un mec, il a fait des photos pour Unity, tout ça. Hein. Ça se trouve, vous l'avez vu. Hein. C'est un truc de ouf. Il est passé à quelques minutes de la mort, wesh. Il a frôlé la mort, pour de vrai. Ryan, ouais, c'est lui, c'est Ryan. Il a frôlé la mort, hein. C'est un truc de ouf. En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? Il est en train de rouler normal, hein. En ville, en moto, en scooter, pardon. Il avait son casque, tout ça, etc. Et y a un mec, un trou du cul là, il sort d'un parking en plus, hein. Il sort d'un parking à fond comme ça. Et il le renverse, il a fait 30 mètres. Il a glissé sur 30 mètres, Ryan. C'est un truc de ouf. Coma direct. Lequel? Non, Ryan, pas l'influenceur, mais le mannequin, on va dire. C'est chaud. T'imagines, tu roules normal en moto, tu respectes tes limitations, bim! T'es propulsé d'un coup à 30 mètres. C'est chaud, wesh. Ren LVTT, non, pas lui, wesh. Ça, c'est. Ren LVTT, c'est l'influenceur. Je parle de l'autre, Ryan. Wesh, apprenez à mourir, wesh, à quoi? Il va essayer de s'enfuir. Ah non. Oh la tête! Tu as encore un 9-7. Ça va et vous les gars. C'est parti pour 8 kills. Zalapredi. Attendez, là je suis à 2 là. Step by step. Ah ouais, j'ai vu le documentaire. Oh, faut grave que j'aille le voir, le documentaire de Neymar là. Oh là 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 là. Grave que j'aille le voir, il est incroyable. Ça va me rappeler des souvenirs, l'épisode de Santos, tout ça là. Quelle époque. Et merci le Nightbot, il va vous dire ça toutes les 10 minutes, vous allez voir. Attends. Deviens pro, 18h30, 21h30, GTA, 21h30, 23h30, et live TikTok après. Yuki ronfle déjà, je sais pas si vous l'entendez. C'est une ouf, Yuki. Je l'ai fait courir tout à l'heure là. Wesh, il me voit le fumer, mais il continue. Ce bot là. T'as vu la série de Michael Jordan? Non, j'ai pas vu. Elle est bien ou pas? Il lève TikTok, je me tape des barres sans avoir la barre. Ça sert à quoi ça? Il est sur Netflix, une pépite. Non mais ça parle de quoi la série de Michael Jackson basket? Enfin de Michael Jordan basket, j'imagine. C'est sur sa vie genre? Il va bien, Ryan. Ouais, il va mieux, hein, mais il est en rééducation toujours là. Mais il va mieux quoi. Il avait perdu, avec le coma là, il avait perdu, je crois, plus de 15 kilos. C'était chaud. Là, il les a repris fort. Il y a deux films sur Neymar qui est sorti. Ouais, c'est une série sur Neymar, je crois. Ou un documentaire.
Mais j'ai hâte d'aller voir ça. Dommage qu'ils ont pas un... que Twitch a pas fait un partenariat avec Netflix. Et genre tous ceux qui ont un compte Netflix, bah, ils peuvent le regarder, ils peuvent... enfin ils peuvent rester sur le live, ça serait incroyable. Alors que Prime Video, wesh, on n'est pas beaucoup à avoir Prime Video, je crois. Si je fais un truc pour regarder des trucs sur Prime, là, il n'y a personne. Alors que tout le monde a un compte Netflix. Tu vas regarder le... Ouais, je vais regarder, c'est sûr. Dove, les cheveux longs. À Santos, là. Oh là 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 là, cette époque. Cette époque, les gars, tout allait bien. L'époque où, vraiment, il en avait rien à foutre d'être à l'entraînement ou pas. C'était la fête à chaque match. Carrément, Eurosport, ils se sont mis à diffuser des matchs de championnat brésilien. C'était du jamais vu. Juste parce qu'il y avait un petit de 19 ans qui s'appelait Neymar. Est-ce que vous vous rendez compte de l'influence? Franchement, c'est trop. T'es fou, toi? Non, monsieur. Il est le fou qui m'a visé là. Ça fait 4 kills les gars. Est-ce qu'il y en aura 8? Neymar avec sa crête de ouf, mais vraiment, mais quelle époque incroyable. Ah, le bâtard, il était en Spider-Man. Il s'est barré en zone, je crois. Y a plus qu'à un manager, ça va sûrement reprendre mon pote. Mais juste là. Là le programme il est déjà chargé, je sais pas si t'as vu là. Rico, GTRP. C'est trop déjà. Où tu veux placer carré manager? Peut-être le week-end en vrai. Hein. Et merde. Je vais me faire avaler par la zone. Ya. FM22, tu vas refaire quand? Peut-être le week-end aussi. Va à Tilted. Toi, tu me dis ça juste pour pas que je fasse les 8 kills. T'es un bâtard, toi. Quoique, à Tilted, on peut les faire les 8 kills, hein. On va passer par là-bas, là. Il est où? Il y a Spider-Man là-bas. Sert à rien de l'attaquer. Il va me goumer. Je reviens, je vais voir le documentaire de Neymar. Vas-y, hein, tu nous diras juste s'il est bien, sans spoiler. Même si en vrai, y a pas de spoil, puisqu'on connaît sa carrière en vrai. Non, franchement, le meilleur documentaire que moi que j'ai vu, c'est celui de Travis Scott. Pour l'instant. Mais je sens que celui de Neymar, il va être incroyable. Je sens qu'il va être incroyable. Elle m'a toujours intrigué sa vie, lui. Déjà, comment il a eu son fils, là? Comment ça fait son fils, il lui ressemble pas du tout? Déjà, ça, c'est une grosse question, ça. Comment il l'a eu? Et c'est quoi ce changement de mentalité de Santos au PSG? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est plus le même Neymar. Allez, wesh! Merci. J'ai eu chaud. Bon, en vrai, j'ai rien à apprendre. À part ça, je suis grave confiant. Je prends ça et ça.
Il a adopté le petit non, je crois qu'il a fait un truc je sais pas. Je sais pas ce qu'il a fait. Mais je crois que c'est son fils avec une mère porteuse. Mais son fils, il a eu grave tôt, je crois. Il a eu à 19, 20. Hein. Il était déter. Hein. Peut-être qu'il est blond carré, comme son grand-père. Je sais pas. I don't know. Bon, les gars, j'ai toujours 4 kills, hein. Je crois que ça va être chaud là. Là-bas, ça se fight. Un des grands était blond. Un des grands quoi? Je meurs chacal, oui, chaque quoi. Putain, les bâtards. Il est où à votre avis? Ah, il y a le documentaire de NK, j'avoue. Celui de NK, il est grave bien. Il est où ce bâtard? Ah, il s'est vraiment enfui. Oh! Fils de pute. Ah le bâtard! Il m'a fumé! Ah le bâtard! Mais attends, je suis monté là-haut, il était où quand je suis monté là-haut? Vous l'avez vu vous? En vrai, Fortnite c'est un peu un jeu de rire. J'aurais dû mettre une musique suspense. Eh, je l'ai pas vu là-haut, wesh! Il était caché où? Oh la dinguerie! Vas-y, prix 4 kills. Let's go. Qui a vu The Nightmare? C'est quoi The Nightmare? Je connais pas. Il était sur le toit. Ah ouais. Malin. Il est malin, bien joué. 4 kills, les gars, à votre avis. Et tout le monde a misé 8 là? Bélec, hein. Bélec, je me fais tuer dès le début. Attention, messieurs. Il était caché sur le toit, alors. Sans sur 4 kills. Ok. Bravo pour le trophée. Merci, mon gars. Merci, monsieur Brahim. Après, je vais rajouter des gens pour des duos, les gars. Si vous êtes chaud, ça va se la foutre. Rico, quelle heure? Rico, 18, hein. Wesh, DG, bien quoi? Monsieur DG, toujours là. Eh, mais avant, on avait accès à un classement des gens qui passaient le plus d'heures dans mes lives. A chaque fois c'était DG. Là, en fait, c'est où qu'on peut voir le classement? Je crois qu'ils ont enlevé, non? Je crois que ça n'existe plus, on est d'accord. J'arrive pas à voir. Je suis dixième. Mais comment tu vois ça? C'est où? En haut à droite.
Attendez. Ah bah moi ça charge, hein. Moi y a un bug, hein, je crois. Théma, moi ça m'affiche ça, wesh. Bizarre. Ah, sur PC ça affiche? Non, je pense pas, wesh. Normalement sur téléphone ça doit afficher aussi. Il y a déjà un gars ici. Quoi? Fils de pute! Fils de pute, laisse-moi vivre, laisse-moi vivre! Taille, taille, taille! Fils de pute! Ah les gars, je suis choqué! Wouah! 4 kills, c'est pas passé! Les gars, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Les gars, qui veut jouer? Vous parlez de quoi? En fait, en haut à droite dans le chat, normalement il y a un classement, tu vois. Wizbot, leaderboard, je sais pas quoi là. Mais ils disent pas. Je crois qu'il est bugué le bail. Hein. Vas-y, mettez vos pseudos que si vous êtes connecté, les gars. Si j'ajoute et que vous êtes pas connecté, vous êtes ban def. Maintenant, c'est comme ça maintenant. Parce que nous, on perd du temps à vous ajouter, vous venez pas. Eh les gars, j'ai fait un concept sur TikTok là. J'ajoute des gens, je les fume à plateau. Et tous les gens que j'ajoute, ils sont grave là. Hein. Toi, Junior, t'es quatrième. Aïe, 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 je suis quatrième personne la plus présente sur mes lives carrément. Lucas, Lucas, t'es connecté, t'es sûr, hein? Là, tu joues ton ban là. C'est-à-dire, je t'ajoute, t'es connecté. Tu rejoins en 10 secondes. Ok, Lucas? On va voir ça tout de suite. J'espère que tu dis vrai. Allez, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Attention les boutons se préparent à bannir. 1. Et le premier ban est pour lui. Ah, ok. J'ai rien dit. Il est dans le salon. Incroyable, il est passé à ça. Il est passé à ça de se faire bannir. Bien ou quoi, Lucas? Ok, le vent. Allez, on le banne. Ah, je rigole. Allô, allô? Ok, nique sa mère. C'est un mec silencieux. C'est pas grave. Let's go, Lucas. Je t'en veux pas. Les gars, j'ai un cap point de chaîne. Hein. Ça va commencer à monter. Avec Lucas, on va viser quoi? On va viser top. Top 6 minimum. A vous de voter les gars, c'est parti, let's go. Top 6 minimum. Imagine on le banne. Allô? Wesh, bien ou quoi? Bien et toi? Bah écoute, on est là, hein. Ça dit quoi? T'as pas cours? Non, je suis malade moi. T'as le Covid? Non, non. Ok. T'as un bon niveau ou pas à Fortnite? Vite fait, hein. Est-ce que déjà t'es meilleur que moi déjà? Je sais pas. Ah bon, on est dans la merde alors. On est clairement dans la merde. Bon, vas-y, je te laisse te concentrer là. Il a mal de tête. Ouais, je sais pas. T'es pas allé en cours? Non. Ah ouais. Je vais aller où? Comme tu veux, vas-y. Eh, hey, les gars, il a pas la voix de Yanis. T'as la voix d'un mec qui était modo. Il s'appelle Mojito. Imaginez, c'est lui. Non. Wesh, Mister Girl a dit pire que Junior, ça existait pas. Mais tu sais que Mister Girl, je te fume en box fight, hein, ça que tu sais pas. Ça que vous savez pas, les gars. De toute façon, je vous fume tous, hein. Mais tu connais, on le dira pas. Vas-y, on va là-bas. Ouais. Let's go. Il a dit t'abuses, Junior. Ont tous un V100 box fight. 1v100. Bon, vas-y, moi je vais sur ce bat là. Il y a du monde, hein. T'as dit quoi? T'as pas d'armes? J'ai que du soin. Vas-y, viens, viens, j'ai un pompe pour toi.
ciao. On veut un box fight. Moi j'aime pas les box fights, c'est pour ça en fait. J'aime pas construire moi. Toi Lucas, tu joues à Warzone, truc comme ça? Moi, je crois que je vais reprendre. Je joue à FIFA. Ah ouais, t'as un crack? Hey! Ok. Junior, il part contre des petits qui ont 7 ans. Mais ouais, c'était des rumeurs ça. Vous y croyez vraiment? Vous étiez là? Oh! Esquive incroyable! Yo Junior, yo les gars, bien quoi? Bien ou bien? Ah gros, tu paniques là hein. Y'a un gars derrière hein. Couché. Couché pas bouger ou. Je l'ai mis 32 là. Ils sont deux hein. Il peut faire autant de fenêtres qu'il veut hein. Je vais fumer. Allez bim. Tu vois pas. Box fight, box fight pas box fight hein. Je peux faire des fenêtres tout ça, je te fume. Mister Girl, regarde bien là. Félicitations pour ton trophée, merci mon ref. Non je rigole, en vrai je suis grave nul hein. Pas se mentir. Je préfère ça. Go gratter des pilules en, en commençant. En commentant. Mais c'est pas en commentant que vous grattez, des pilules, wesh. Tiens. Y'a quoi? Asperger. C'est quoi? Ah, bien vu. Vas-y. Bien vu. Le Junior, bien, bien, bien vous les gars. Vas-y hein. Mais... Non, ça va, ça va, ça va. Je pense économise-le. On va arriver en zone normale. En plus, on a pris le truc là. Pour aller vite. Là, ça fait 4 kills là. Pourquoi tu lâches plus Rico pour YouTube? Parce que c'est même sur Twitch déjà. On a des prédits, on a des sondages avec un timer. Ensuite, YouTube, j'ai pris un deuxième strike. Donc je préfère faire attention aux musiques qui se passent là. Et bien tout couper avant de publier. Voilà. 100% va mourir ici. Ici? Non, impossible. Je connais cette ville comme ma poche. T'inquiète. Allez, on va se déplacer intelligemment. Putain, les loups nous ont repérés. Casse les couilles, les loups, là. Ils peuvent pas les enlever, là. Et merde, y'a rien ici. Là-bas, en face. Casse
Wesh, frère. Non. Wesh, il va où lui? Oh, j'ai plus de balles, j'ai tout seul. Il a plus de vie, hein. Viens, viens, viens. Y'a un autre gars là-bas, merde. Oh, le bâtard. Attends, attends, attends. Prends ma carte. Et ouais. Après... J'attends un peu puisque ça se fight là. Gotopsy, il a dit, ouais, on va essayer. Hein. On a le temps de prendre sa carte encore. On va attendre que ça se calme. C'est où l'area pour toi? Je pense qu'on va changer de ville. Hein. Ouais, ouais, ouais. Il y a les aspergeurs. Au pire, tu les mets, comme ça, t'as l'effet piment. Ouais, je vois. Il sait que je suis là? Hein? Eh, je crois, il sait que je suis là. Hein. Ouais, y'a moyen. Putain, il est là, il est là. Ouais, il sait. Oh le bâtard. Putain. Ah, ils m'ont bombardé! Putain! Derrière et devant. Bon, vas-y mon gars, je prends une autre personne. Hein. Vas-y, vas-y. C'était un plaisir. Bonne chance. Hein. Putain, c'est fait foudroyer. Attendez, la prise, ça donne quoi? C'était non. Fallait mettre non, les gars. Ce qui est le prochain, là. Ça dit quoi, Junior et Bécoute? On est là. Hein. Oh, les deux meilleurs potes sont connectés. Osan et Joji. Paris vocatif, t'es sûr que t'es connecté? Quand on t'ajoute et que t'es pas connecté, c'est ban, hein. Attends. Paris vocatif. Wesh, Océane BSI, bien ou quoi? Je crois que j'ai fait une erreur à son truc là. Paris vocatif. Existe même pas, tu te fous. Je crois que tu t'es foutu de moi, je crois. T'as des explications? Paris, ouais, je t'ai ajouté, hein. Je t'ai ajouté, je te vois pas. Vas-y, Timothée. On va essayer Timothée. Neuf cinq cinq. Et ben voilà, monsieur. Salut, je pars à l'entraînement. Vas-y, mon gars. Entraînement de quoi? T'as oublié? Mais non, je l'ai mis, wesh. Je l'ai mis, le chéri du bas. Attention Timothée, il te reste 5 secondes. Timothée. Est-ce que t'es là? Ah, il est là. Ah oui, t'es dans le groupe, let's go. Let's go, hein. Let's go, monsieur Timothée, je vais changer de skin un peu. Est-ce que tu m'entends, frérot? Ouais. Ça va quoi? Ça va. Ah ouais, ça veut dire que tu m'entendais depuis tout à l'heure, t'as même pas dit bonjour. Désolé. T'es un bâtard, toi. Tu fais quoi dans la vie? Bon, je suis à l'école. T'es à l'école, ça se passe? Ouais, ça se passe.
Ok, vas-y, hein, je compte sur toi. Hein. Ça se voit, t'as un bon niveau, toi. Je me trompe? Ça va. Je dois vous laisser, j'entraînement. Entraînement de rugby. Aïe, aïe. Quel homme. Top 10 avec toi, non? Minimum. Ouais, j'étais en train de te battre ou quoi, wesh? Moi, je t'avais dit, je parlais. C'est un CP le boy. Vas-y, je te laisse te concentrer, mon gars. Je te laisse te concentrer. Je crois que je vais le muter, hein. Je le dérange, on dirait, wesh. J'espère qu'il est bon. Mon pseudo, il y a des lettres japonaises dedans. Est-ce que je pourrais t'ajouter? Ah, moi, il y a personne qui peut m'ajouter. J'ai refusé le fait qu'on m'ajoute. Mais moi, je peux ajouter des gens, tu vois. Mais par contre, j'ai pas les écritures japonaises sur mon clavier. Comment tu fais? Comment fais-tu? Junior, il demande à des enfants ce qu'ils font dans la vie en mode ils ont un taf. On sait jamais, hein. On sait jamais si je tombe sur un mec comme Franklin dans ma famille d'abord, tu vois. Qui a des gros projets dans l'avenir. Imagine, Franklin de ma famille d'abord, je parle. Vas-y, viens, on va là, là. Est-ce qu'il m'a suivi? Il m'a pas suivi? Ah si, il m'a suivi. Vas-y, let's go. Ma famille d'abord, qui regarde ici? Bah moi, j'ai regardé, je sais pas combien de fois dans mon enfance. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment une... Les gens, ils oublient que c'est une série terminée. Bon, nous, on fait que de la regarder en boucle. Juré en sous-sol dans le terrain. Incroyable. Allez, let's go. Ça sent la bonne partie là. Ça sent la partie masterclass. Ma fumée d'abord. Ou Malcolm. Ah ouais. La concu. Franchement, ma famille d'abord. Fisteux. Mais wesh, gros! Va en arène là, au lieu de casser les couilles là. Et les gens, ils sont déter, hein. Il va danser? Il m'a fouetté! Aïe! Quel bâtard! Les jeux comme ça, faut qu'ils aillent en arène, wesh! Qu'est-ce qu'ils foutent ici, là? Laissez les nuls en Battle Royale! Putain! J'espère top 10. Ah bah frère, j'espère pour toi, hein! Parce que moi, je peux miser bien. Bien tapis sur nom. Ah, dommage. C'est fini les paris. Bon, c'est qui le prochain, là? Perso, j'y croyais pas, hein, Timothée. Hein. Je suis désolé, Timothée, si tu m'entends. Pas très bon, Timothée. Hein. Timothée, je te carie, je crois. Hein. Non, je rigole, Timothée. Merci. Merci, Timothée. Si tu m'entends. T'es un génie. Je change rien. Vous savez, je vais faire quoi, les gars? Je vais prendre qui des gens, je vais faire un trio comblé. Fortnite, c'est devenu cancer. Non, mais Yona, wesh. Yona, wesh. Qu'est-ce qu'il fout en Battle Royale normal, wesh? Allez, je sais pas où, là. Allez, en... Comment on appelle ça? Les trucs pour l'effort, là. Putain, je viens d'oublier. Arène. Alors, on a arène, là. Je vais te casser les couilles. Je t'avais dit, c'est un CP. Après, il y a des types, ils sont forts, hein. Il y a des types, frère, ils sont grave chauds, hein. Mais bon. Ça arrive une fois sur 30, 40. Yeah.
Ça, Junior, ça va et vous? Ça va et vous, les gars? Donc là, 18h30, Juan Carlos Rico fera son apparition. Encore 2-3 games, hein, je crois. 2-3 grosses games là. Attendez, je vais mettre une prédit. Je suis avec deux personnes que je ne connais absolument pas. À votre avis, est-ce que on fait top 5? Let's go. Let it go. Après, mon niveau est pas ouf. Non, franchement. Ah, je pensais que c'était le petit. Je pensais que c'était Timothée qui écrivait. Non, franchement, Timothée, t'inquiète. Si je suis mentant. T'es un génie. Ah, merde, ils sont pas avec moi. Tu sais qu'ils t'écoutent dans la game. Non, mais ils m'écoutent pas. Ils sont pas là. Ils sont pas en vocal. Personne ne m'entend là. Est-ce que vous m'entendez? Dansez si vous m'entendez. Non, pinguez. Regardez, si vous m'entendez, pinguez sur Tilted Tower. Tilted. Je sais pas comment on dit ça. Faites un ping sur Tilted, je sais pas quoi là. Si vous m'entendez. Tu vois, ils m'entendent pas. GG le trophée, merci mon gars. Ouais, Junior, wesh, Lucky. Allez. Tilted Tower. Tu juges? Je pourrais refaire une partie avec toi. T'inquiète, une prochaine, mon ref. Sinon, ils vont me dire, waouh, ouais, tu refais la même. Tu refais les mêmes personnes. Je voulais. Ouais, j'ai un mec qui a carrément mis son 06 en pseudo. T'as confiance, hein. T'as une confiance aveugle. En internet. Et les deux depuis tout à l'heure sont en train de se taper entre eux. Je les ai même pas aidés une seule fois. Allez, on peut enfin se fight là. Ah, mais ils ont tout fini. Ouais, il m'a brûlé là où je rêve là. J'ai copié-collé son 06. Pourquoi t'as fait ça? C'est donc ça le chômage. Wesh! Qu'est-ce qu'il veut lui? Mais ils veulent quoi ces deux petits cons là? Constate ou quoi? Vas-y, va là-bas là. Ouais, il m'a bloqué! Mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Obligé, le dé, ils se connaissent. C'est pas possible d'être aussi con. Regardez, il me tire dessus! J'arrive pas à comprendre ce qu'ils veulent me dire. À votre avis, qu'est-ce qu'ils veulent me dire là? Ils ont le seum parce que j'ai pris l'arme là. Je crois que j'ai capté. Ils ont le seum parce que j'ai pris l'arme bleue. Regardez, je vais la poser, ils vont la prendre. T'as vu? Il troll. Non, mais je pense que les deux, ils se parlent en vocal. Ça se voit. Et là, c'est bon, ils sont contents, là. Bande de merde. Les petits flingues. Wesh, la flappe bien, quoi.
Tout ça pour ça. Je sens la bonne partie avec eux, je sais pas pourquoi. C'est quand Ginola. Déjà là, il y aura Rico, vous inquiétez pas. Ginola, je sais pas si ça va continuer maintenant ou pas. Je t'avoue, ça a été fait sur un coup de tête parce que ça me saoulait les bugs Rico là, mais là, ils ont été réglés. Donc qu'est-ce qui va se passer? On verra bien. Ouais, y'a rien pour moi là? Oh les bâtards. C'est comme ça ici? Yo, intox, bien quoi? Intox, t'enlèves le T, ça fait inox. Comment ces chômeurs là, ils veulent me pousser. Allez, ça dégage. Non, je crois que ça sent la mauvaise partie, hein. Ils font vraiment n'importe quoi les deux là. Tu les as envoyés en l'air, tu joues. Ouais, je suis sur PS5 là. Allez. Et la bonne arme. Merci monsieur. Ça sent le top 1. C'est le nom de ma team Intox. Ah, t'as une team qui s'appelle Intox. Quel crack. Tu joues à fut ou pas? Hier, je jouais à fut, hein. Cette victoire, cette défaite. Faut qu'on revienne fort, là. Mais aujourd'hui, y'a plus rien. Aujourd'hui, c'était les récompenses et j'ai des vieilles récompenses comme d'hab. Hé! Hey, bien fait! Ils sont là, ils font du quad. On est au Cambodge ou quoi, là? T'as fini fut? Non, j'ai pas eu le temps. J'ai fait 7 victoires, 7 défaites. Après, y'avait plus rien. Ça, ça sert plus à rien de les aider, eux. Ça sert plus à rien de les aider. Salut, les gars. Bande de merde. Bien fait. Ils ont voulu faire les fous là. Putain, mais cette arme, j'ai vraiment du mal là. En plus, j'ai même plus d'armes. J'ai même plus de balles. Oh là là, le kill en glissant! Ça, c'est quoi, Ibrahim? Il swipe dans les DM. Il swipe dans les DM des 2010. Il swipe comme ça. Il arrive comme ça dans les DM des meufs. reprends ton arme, reprends ta violette. T'as dit quoi? Reprends ton arme violette là, c'est pas bon là. Ouais, je me reprends la violette. Mais toi t'es qui toi? Ferme ta gueule toi, ça enfle lui. Allez, muet. Et muet. Oh les ouf. Depuis tout à l'heure ils m'entendaient ces petits cons. Mais j'avoue c'est vrai. J'avoue ils avaient raison. Et ils m'ont fait flipper. Ça parle maintenant, t'as vu ça? Oh les fous. Putain, je disais quoi? Est-ce qu'il est là Ibrahim les gars? Rico c'est quand? 18h30. Je sais pas si je vais les chercher du coup les deux là. Est-ce que vous pensez que je vais les chercher ou pas? Mais ouais, c'est qui? Je sais pas, c'est des gens que j'ai pris en comblé. Attendez, je vais les chercher, je crois. Hé, Jésus. Il est son cadavre à lui là.
Vas-y, pinguez là où vous pensez que je dois ouvrir, les gars. Je crois que ça va être là, dans la zone. Hein. Et merde. C'est mort. Je ferai pas les rats là-bas. Il a dit démute. Non, ils sont trop insolents, ils parlent trop mal. On est en live. Hors live, j'aurais démuté peut-être. Et merde. Allez, vite, 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 vite. Putain, j'ai même pas l'eau, j'ai même pas l'eau. Allez, vas-y, frère, qu'il crève. J'espère qu'il crève, ces deux-là, là. Putain. Il a dit, ah ouais, t'es gaze un peu. Je sais que je suis gaze. Bon, c'est la vie, hein. Ça me tue, les parties comblées. Meilleure partie. Premier héros que je fais... C'est Ginatale. Mais non. Attends, j'ai fait combien là? On a fait combien? On n'a pas fait top 5. Putain. Miskin. Toutes les prédits, elles sont pas passées, les gars. Top 6. Ok. Putain, j'ai validé sans savoir. Ça va, en fait, top 6. Avoir PSG Real au stade, je sais pas, ça demande des restrictions. Mais j'ai ma place, en fait j'ai ma place. Apparemment ils vont autoriser 5000 personnes. Mais sauf que quand ils ont mis les places en vente, il y a eu 40 000 ventes. Donc comment ils vont sélectionner les gens, tu vois? Je sais pas, frère. Je crois que je vais contacter mon agence, hein. Je crois que je vais contacter mon agence, je vais leur dire, hey, parlez au PSG un peu là. Je veux ma place. J'avoue avoir le match. Non mais j'ai mes places. 300 balles, j'ai acheté ma place. Normalement, j'y suis. Et tu connais Covid, hein. Bonjour, vous m'entendez? Ok. Ils sont dans le canal de groupe. Ils sont pas sociables. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Bientôt 35 000. Hello. 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 What's up, bro? Are you in Shui? Yes, of course. Oh gosh. J'ai rien compris, frérot. How do you play this game? Yeah, yeah. Yeah, yeah. How do you play this game, James? Where you from? Why did I ask where we're from, James? Can you help me? Hein? You from quoi là? Okay. Where you from? James. You from James? James. Junior qui parle anglais, c'est Mani. Eh, moi je suis bilingue, les gars, oui. James, can we go back to vas-y, les 2000 là. Je vais te muter un peu là. Voilà, il s'est muté tout seul. Et j'ai rien compris à ce qu'il m'a dit. Eh, il vient d'où, les gars? Je savais même pas qu'on pouvait tomber sur des gens comme ça. Bilingue. Non, moi je suis bilingue, hein. Moi je suis. Combien de fois, les gars, je suis parti aux States? Je vous abusez. En fait, je suis parti plein de fois aux States. Je suis bilingue, mais je parle mal. Mais je suis bilingue, wesh. Regardez, Ibra TV. Ibra TV, je suis désolé, il parle français. Mais il parle mal. Du moment que j'arrive à me faire comprendre, c'est carré. Mais bon, j'avoue, ils ont pas trop compris. Elle a dit ouais ouais à d'autres. Frère, comment toi je suis parti au steak tout seul? Après, l'anglais c'est pas difficile. Ouais, franchement, le français c'est grave plus difficile. Hein. Les gens qui doivent apprendre le français et qui sont étrangers là, force.
Y a aucune logique dans le français, vraiment. Ouah, ne me dis pas que... Wesh. Ça va, Yuki? Il doit avoir trop le seum. Il a bien regardé. Yo bro, why are you doing that to me? Sorry bro, sorry. I'm in chômage. I don't have a job. Yo, what the hell? Sorry, it's the last... T'inquiète. Putain, c'est grave drôle, les comblés, tête de homme. What are you doing, bro? Wesh, le petit, il est plus mature que moi, il a 9 ans, wesh. Oh, je suis cuit. Le français, c'est vraiment une langue pas logique, même si je le parle. T'as vu ça? C'est trop. Hello. Hello. Yo, James. You still here? Yeah. Qu'est-ce que tu racontes, toi? What did you say, là? Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Mais c'est qui, James? C'est qui, son James, là? Il a 6 ans, le bug, mais vraiment. Tiens, dancing, là. What the fuck is James? Putain, ils se sont rebarrés. Ah, je crois que je les dérange, hein, les petits. Hein. James, c'est son ami. James, c'est une ville. Ouais, parce que je lui dis, where you from? Il m'a dit James. I'm from James. Bon, sa mère. Hein. On va aller là-bas, là. Il était à 2 doigts de tirer une balle, le mec. Tellement que je suis chiant. Les gars, il est 18h. Dans 30 minutes, les gars. 30 minutes, nouvel épisode de Juan Carlos Rico. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, je vais vous inviter à voir la rediff sur YouTube. Qui sera à 20h. James est en Écosse. Ah, c'est peut-être des Écossais. Mais après, pourquoi il a pas dit Scotland? Ça, son problème. Une phrase sur deux sont en français. Quand tu lui parles, après tu dis t'es bilingue. C'est vrai. Mais je suis bilingue, wesh. Dans la vie, je suis bilingue. En fait, une fois, les gars, anecdote, hein, ils m'ont envoyé... Attends, qui m'a envoyé au stade déjà? Je crois que c'était Paramount. Je sais pas si vous connaissez Paramount. C'est comme Universal, tu vois, pour les films. Mais Paramount, en fait, c'est plus un truc de films d'horreur, tu vois. Des producteurs de films d'horreur, généralement. Ils m'ont envoyé aux States. Mes frères, j'étais tout seul, hein. Oh, j'étais tout seul, là. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'il fallait que je m'améliore en anglais, là. Comment j'ai galéré. Les influenceurs, ils me parlaient, tout ça. Je comprenais que dalle. C'était la honte, wesh. C'était mon pire voyage. Je suis rentré, j'ai commencé à apprendre bien l'anglais comme il faut, là. Et du coup, vous voyez le résultat, maintenant je suis trop chaud en anglais. Maintenant, j'ai atteint un niveau, gros. Un niveau, tu doutes. Tu te dis, wesh, il est français ou il est anglais, là? Tu vois pas? Avouez, là. Avouez, vous êtes choqués de mon anglais. Sérieusement. Ils sont où les deux petits là? Ok. What's up bro? Personne doute de toi. Merci mon gars. Merci, t'es un bon. Je savais pas que je pouvais tomber sur des... Putain, j'ai même pas de construction, frère. Ils sont toujours là, vous pensez ou pas?
putain. Là, je vais faire un clip, hein. Il était magnifique. Vous avez vu la balle en profondeur? Balle en profondeur, t'as peur. Nice shot, merci les gars. Ah oh là là, les gars, arrêtez. Je fais ça tous les matins, wesh. Putain, c'est des bots? Wow! Jesus Christ! Ok. Ok. Putain, j'ai même pas touché. Oula, il y en a deux là. Allez, vas-y frère. Allez. Je sais pas, ils vont faire... Attends, c'est quoi la prédit? Ça dépend. Est-ce que je te quitte vraiment ou pas? Voilà. Attends, il y a une prédit top 5. C'est vrai, je dois attendre, il y a une prédit top 5. Bon, on est mort. Top 13. La réponse est non. Bon, je crois que t'as rien à partir, après ça va aller sur Rico. Hein. Oula, reste avec cette équipe, non. Vas-y, top 5, une bonne fois pour toutes. Let's go. Elle est grande ta maison, franchement elle est pas mal. Elle est pas mal, c'est surtout le jardin qui est grand pour Yuki. Elle s'enjaille dans le jardin là. J'ai fait un terrain de foot dans mon jardin carrément. Les gars, dernière partie, n'hésitez pas à miser avant l'arrivée de Juan Carlos Rico. À part si je meurs au bout de 5 secondes. Il a dit, j'aime quand tu dis Lupalinda. Redis-le une fois, stop, mais un Lupalinda bien maffé. Ok. Bah écoute, tu devrais télécharger le clip. C'est un fou. C'est quoi la cote pour le top 5? Attends, quoi? Personne n'a mis le top 5. Eh, hey, vous deux là, venez, on discute. Ah, ils veulent pas discuter, hein. Ok. Bah écoutez, même moi je mise pas le top 5. Même moi je mets pas un centime pour le top 5. Attends, il se passe quoi si tu dis la vérité à Rita? Bah en fait, si on dit à Rita qu'on a tué sa cousine, il se peut que voilà, tu vois, il se peut que ça crée des tensions dans le couple. Qui dit tension dans le couple, dit risque de ne pas gagner la PS5 parce que vous avez la PS5 si je finis ma carrière et que on est toujours en couple avec elle. Il peut se passer séparation, break, elle se barre avec Enrique au Mexique, elle trouve un autre gars, fin des espoirs de la PS5. Déjà elle vit avec un ex-toilard quand même. Il a rajouté en plus ça, il a tué sa cousine. Là, il peut retourner en prison une troisième fois. Hein, pour ce qui vient de se passer là. Complicité de meurtre. Non, après en même temps, Martinez il est venu, il l'a tué, il s'est barré. Bah après, il aurait. En fait, pour éviter la prison, on aurait dû mettre l'option prévenir la police ou cacher le corps. Mais bon, comme je suis un bâtard. Déjà mort. Comment tu peux déjà être mort?
Merci les gars! Je savais que je pouvais compter sur vous. Ah, même pas ça me donne le... Ouais, ça danse ou quoi? Ah ouais, ils sont trop joyeux. Il a dansé pour un vieux kill. J'aime bien ton RP FIFA. Merci mon gars! Merci. Pourquoi t'as tué sa copine? C'est vous l'avez tué? T'as le... Oh le culot! Oh le culot que vous avez les gars, je suis choqué. Ya, ya, ok, ok, des vraies danses, ok. Regarde ça, ya, 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 ya. Ok. Ya, ya, ya. Rends-moi... Attends, rends-moi la grosse, là. Putain, les bâtards. On n'a pas tué sa cousine, mais c'est... Ouais, c'est Martinez. En fait, elle est morte parce que... Bah déjà, à la base, on voulait la tuer. Parce que elle a balancé des mauvaises rumeurs sur... ce Rico, et ça mettait en danger le couple Rita et Rico. Là, c'est très grave de tuer juste pour ça, déjà. Ensuite, de deux, elle a ressuscité. Elle a ressuscité, on a appris qu'en fait, Martinez et son groupe, là, ils ont tué la mauvaise personne, ils ont tué une pote à elle, qui était chez Lina à ce moment-là. Et du coup, elle est venue pour se venger. Elle a dit à Rita qu'elle n'avait pas de job. Et il s'avère que c'est la cousine de Rita, coïncidence, quand même, incroyable. Donc Rita, elle l'a recueillie, tout ça, etc. Et elle est venue, elle a dit, c'est soit on fait une sextape, soit on fait une sextape et on l'envoie à ma cousine, comme ça vous êtes plus ensemble, soit je poucave à la police. Donc du coup, on a appelé Martinez, il l'a tué. Putain, vous êtes des fous, hein. Sacrée histoire. Quelle idée, franchement. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Attendez. Ah, mais j'ai pas assez de construit ou quoi? Top 22, hein. Junior, il a fait un boulot et c'est pas fini. Ah, chacal. La carrière va être incroyable. Fin de saison, les gars. Coupe du monde, j'espère, avec le Mexique. On va grave refaire la Coupe du monde. Là, on est en train de refaire la LDC. C'est carré dans l'axe. On est en quart de la LDC, là. Au top 5. Bon, on dirait, hein. C'est quoi le live sur Gino là? C'est pas prévu pour l'instant, peut-être ce week-end. Ce week-end déjà, il faut du career manager. Il faut du football manager. Peut-être on va avancer sur Rita ou sur... oula. Merci. Oh le bâtard, il l'a repris. Oh les baltringues. Viens, on va les attraper, viens, viens. Toi, je t'ai pas vu ou quoi? Ok.
Ok, ok. Ça me manque Fortnite, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ah mec. Bon, la prise du top 5. Je crois elle est foutue, hein. À part si vraiment c'est des génies. Oh. Oh. Magnifique. Magnifique. C'est des génies. Fait. Les gars, ce soir il y aura aussi GTRP, hein. GTRP, apparemment ils sont en train de péter un câble là, parce que je suis jamais connecté. Le boss de l'armurerie veut me virer à Skip. Bâtard, ils... Wesh, ils ont tué mes deux gars là. Merde. Ouh, j'ai eu chaud. J'ai eu chaud. Fonce. Non. Et puis cherche. NON!